C'est bien dur à rentrer, ça, cette affaire-là. Bon, on vient de l'augmenter à 62 %. Alors, bonjour. Ici, aujourd'hui, on est au Saint-Hubert de Saint-Hyacinthe. On va parler beaucoup de langage non-verbal. On va jouer avec de l'argent et on va aller s'amuser surtout avec des belles invitées. Fait que je vous invite à me suivre. Aujourd'hui, grâce au tour que je vais vous montrer, vous allez devenir un expert de la synergologie. Vous allez être capable de déceler les moindres détails dans le non-verbal de votre spectateur. Alors, Nathalie, tu vas mélanger les cartes. T'es bonne pour mélanger les cartes? Je suis meilleure que Chloé. Oh, meilleure que Chloé. Et voilà, mesdames et messieurs, boum, on vient de descendre d'un niveau ici. OK, elles sont assez chaudes, ça va être beau. Je vais étaler les cartes ici. Nathalie, tu peux choisir n'importe quelle carte. Là, tu ne me la montres pas. C'est beau, je la regarde pas. Nathalie, tu vas me dire stop quand tu veux. Je vais passer les cartes comme ça ici. Tu me dis stop quand tu veux. Stop. Une de plus, une de moins, une de... Stop. On voit c'est qui la bosse. Nathalie, je vais te demander de couper le paquet. Puis on va compléter la coupe. Ça, on appelle ça couper et compléter la coupe. Okay. Moi, là, je vais passer les cartes devant toi. OK? Puis, tu me donnes pas d'indice, mais moi, j'essaye de regarder, voir si tu as une réaction lorsque ta carte, elle va passer. OK? Mais tu me donnes pas d'indice. Je m'en souviens même plus de la carte. Ah, ça va aller mieux. Ça va être excellent. Bon, d'après moi, je peux regarder mon 10 $, ça va être fait. OK, on y va. Fait que je passe des cartes comme ça ici. Toi, c'est important que tu regardes les cartes parce que moi, je te regarde quand tu regardes les cartes. OK, pas beaucoup de réactions jusqu'à maintenant. OK, Nathalie, je suis prête à gager 10 $ que la prochaine carte que je revire, c'est ta carte. OK. T'as l'air confiante un peu trop, mon gars. Je sais pas. OK. Je sais pas. Ouais, d'après moi, gars, je vais y aller. D'après moi, je vais revirer celle-là ici. C'était-tu ta carte sur le 9 de pique que j'ai reviré? Et voilà. Ouh, j'ai encore sauvé 10 $. Merci beaucoup. Ouh, merci beaucoup. Bravo. Et voilà, c'est... Je suis certain que c'est un principe que vous connaissez, les trois. C'est le principe de la carte-clé. Tu sais, là, quand on était plus jeune, là, puis OK, choisis une carte, puis... Tu sais qu'on faisait ça comme ça, là, c'est le même principe. Fait que là, je te demande de mélanger les cartes. Fait que la personne, elle mélange les cartes. Fait que ça authentifie que le paquet, il n'est pas dans un ordre, puis il n'est pas arrangé, puis il n'est pas dans un ordre spécifique. Parfait. Fait que là, je te fais choisir une carte. Puis la beauté de la chose aussi, c'est que tu peux vraiment choisir n'importe quelle carte. Fait que toi, vas-y, Nathalie, choisis n'importe quelle carte. OK, prends ton temps. C'est bon. C'est bon. Là, c'est pas grave si on la voit. Tu vois le 8 de trèfle. Puis là, pendant que vous regardez les cartes, moi, ce que je fais, c'est que je regarde la carte d'en dessous, qui est ma carte clé, qui est le 9 de cœur. Ah. Fait que tantôt, là, quand je te demande de... Tu me dis stop quand tu veux. Mais ça change rien parce que peu importe où je vais arrêter, quand elle va déposer, mets-la face vers le haut, comme ça, quand elle va déposer sa carte, moi, ma carte... Mon 9 de cœur va tomber directement à côté de la carte. Ah ben. Puis même si je continue à déposer des cartes, ça ne changera rien parce qu'au moment où je vais dire d'arrêter, c'est quand même le 9 de cœur qui va s'en venir à côté. Mm-hmm. Fait que là, ici, c'est un peu de la comédie. Puis là, je fais couper le paquet. Couper le paquet ne change en rien l'ordre cyclique des cartes. Okay. Fait que là, ici, j'ai placé des cartes de 1 à 10. Okay. Fait que là, mettons que je coupe. Je coupe. Tout ce qui se passe, c'est que les cartes sont dans le même ordre cyclique, sauf que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah. Je peux couper 2000 fois. Tout ce que ça va changer, c'est la position des cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va toujours garder l'ordre cyclique des cartes. Okay? Donc là, ce que je fais, c'est que là, je passe des cartes. Puis là, je fais semblant de regarder, puis là, je fais des faces, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, oh! Ma carte clé. Moi, je la vois. Je ne sais pas encore c'est quoi ta carte. Mais la carte clé, je sais que c'est la suivante. Mm-hmm. Mais là, j'arrête pas là, là. Mm-hmm. Je continue. Puis là, je fais ah, ouais, OK, nanana. Puis là, je fais semblant. De... Puis là, je fais comme hop, 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 j'ai un feeling. Puis là, ça a l'air. Tu sais, ça. Merci, Chloé. Puis là,
ce que ça a l'air comme principe. Je fais comme, c'est comme si c'est celle-là que je vais revirer. Parce que si je fais un petit son comme ça, flip, 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 puis vous dites, ah, OK, là, je suis prêt à gager 10$ que la prochaine carte que j'avais. Mais tu sais, tu m'as vu revirer des cartes. Je pensais pas que tu revirais. Mais non, c'est ça. Tout le monde pense que je vais revirer celle-là. Tu sais, parce que c'est la suivante. Là, je fais, ah, ouais, mais la. Puis là, oh, t'as l'air un peu trop confiant. Puis là, je fais ça ici. Puis là, ce que tu fais, c'est que tu vas à ta carte clé. Là, je sais que c'est l'huit de trèfle. Puis c'est celle-là que je retourne à l'envers, comme quoi c'est la prochaine carte que je retourne. T'sais. C'est vraiment bon. Ah oui, c'est bon, puis c'est facile à faire. Puis tout ça, c'est un beau moyen de faire de l'argent. Tu fais ça à quelqu'un, puis tu lui dis, ben c'est beau, tu me dois 10$. Okay. Et voilà. Souvent, tu sais, quand les gens me voient arriver, puis tu sais, es-tu n'importe quel magicien qui arrive dehors dans la rue, puis tout ça. Non, moi, je me suis fait faire des cartes d'affaires, puis là, je vais vous les montrer ici. Ça, ici, c'est, j'ai ma chemise de cartes. Ça me permet des fois d'aller tricher, d'aller cacher des cartes. Puis j'ai la célèbre position internationale de magie, tu sais, abracadabra. Ça a l'air qu'étonne un peu. C'est vraiment ça. C'est le fun parce qu'elle a cru ça jusqu'au bout. Luc, je vais te demander de choisir une carte, OK? Tu vas me dire stop quand tu veux. Tu me dis stop quand tu veux. Stop. OK. Tu prends la carte, tu la montres à tout le monde. Tu vas prendre le paquet, Luc, tu vas en mettre dedans. Tu vas en mettre n'importe où dans le paquet, tu peux commencer à mélanger les cartes. OK? Fait que là, comme on est dans le non-verbal un peu, là, on va tester ça avec toi, à cette heure qu'on a fait ça. OK? Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre les cartes, tu vas les regarder. OK? Puis tu vas sortir 5 cartes. OK? Puis parmi les 5 cartes que tu vas choisir, il faut qu'il y ait ta carte. OK? Puis c'est pas grave si je les vois, parce que je vais les voir de toute façon. OK, fait comme ça. OK. Ouais, c'est beau. Excellent. Non. Là, parmi les 5 cartes qu'il y a là, il y a ta carte que tu as choisie. Ouais. OK, parfait. Là, ici, je vais te montrer les 5 cartes. Puis là, c'est ça la beauté de la chose. C'est que tu as le droit de mentir ou de dire la vérité. Fait qu'à chacune des cartes, je vais te demander, Luc, est-ce que ta carte, c'est le 8 de cœur? Là, tu as le droit de dire oui, non, tu sais, puis tu fais ce que tu veux. Moi, j'essaye de déceler des détails subtils ici dans ton non-verbal pour essayer de trouver c'est quoi ta carte. OK, on est prêt? OK. Fait que Luc, est-ce que ta carte, ce serait le 8 de cœur? Non, monsieur. Oh, j'ai eu droit à un monsieur en plus. OK, OK, c'est bon. Est-ce que ta carte, ce serait le roi de pique? Non plus. OK, plus dur à lire, Luc. Est-ce que ta carte, ce serait le 3 de trèfle? Ouais. Donc là, là il a ri. On n'est pas trop sûr s'il voulait le roi de carreau. Non. Et c'est pas facile, pas facile. Le 5 de trèfle? Non plus. Oh, il y a une hésitation, là, par exemple. OK, Luc, on va essayer quelque chose. Tu vas me donner ta main droite. Tu vas la placer face vers le haut, comme ça ici. Puis avec ton autre main, tu vas mettre ton doigt comme ça ici pour tenir les cartes. Parfait, pèse un peu dessus. Moi ici, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma carte d'affaires, OK? Puis quand je prends ma carte d'affaires puis que je la glisse parmi les cartes, je réussis à toucher la carte du spectateur. Vous allez voir, c'est impressionnant, ta mère. Là, mettons que je la place ici comme ça. Avance-toi légèrement un peu. Parfait ici. Fait que là, ici, ma carte d'affaires ici, elle touche à 2 cartes, OK? Là, faut que tu me dises la vérité. J'ai 2 chances sur 5 d'avoir réussi à toucher ta carte. OK? Mais moi, d'après moi, c'est celle d'en dessous ici, le 5 de trèfle. C'est-tu ta carte? C'est-tu ta carte? Non. Non. OK. Mais j'avais dit que j'avais 2 chances. Fait qu'on va aller d'abord sur celle qui est par-dessus. OK? Le roi de coupe. Non plus. De non? Non plus. OK. Là, ce qui est moins impressionnant, c'est qu'il y a 2 nouvelles cartes qui touchent à ma carte d'affaires. T'sais, t'as pas une dessus? Non, c'est pas vraiment impressionnant, mais en tout cas. T'sais, le roi de carreau? Non plus. Ça va pas bien, mon affaire. OK, c'est la dernière. Le 8 de cœur? Non? Et où la carte? Il y en manque une. Bon, Luc, là, c'était fait. Luc, là, tu vas capoter. Écoute, tu sais même pas faire. Tu vas regarder dans ta poche arrière droite. Alors, regarde, fouille dedans. Y a-tu quelque chose? Non. Y a rien? Rien. Non, mais ça aurait été écœurant. Arrêtez, wow! Oh, si on l'avait eu, celle-là, ça avait dit. Mais écoute, tu as montré que je suis pas n'importe quel machin ordinaire, puis ça. Je t'avais dit que je trouverais ta carte de façon un peu. C'est dans même malade! Mon voyage. Et là. Voyons, donc. Il en manque une. Puis tu peux gratter aussi, tu peux gagner un prix, je pense.